combien de weed Qu'est-ce que c'est que ce cartel de Tarlouse, je te l'ai dit. Bon, je suis là pour prendre ma marchandise. Je voudrais 3 grammes. Tu as ça ou quoi? 3 grammes, tu veux? Oui, très bien. À la bien. 3 grammes de quoi? À ton avis, oui, tu le sais. Allez, tu veux de la weed? On voit de la marchandise, oui, de la weed. Tu payes combien? J'ai combien? J'ai 100 dollars. Ça te voit, c'est bon? C'est bon? C'est très bien? 100 dollars? Non, allez, 50 dollars, on coupe la pointe, allez. Allez, allez, tu connais des gars ou quoi? Attends, je vais voir ça avec mon collègue. Tu n'as pas 1000 dollars à prêter, s'il te plaît? Eh, vas-y, bah, dégage, dégage. Eh, hey, vous n'auriez pas un peu d'argent si c'est pour acheter de la weed? Donnez-moi, donnez-moi. Eh, hey, Mino, hey, Mino, comment ça, nique ta mère? Tu vas faire quoi? Tu veux qu'il y ait une dégâts ou quoi? Fada que tu es. Allez, trace ta route, baisse tes yeux. Baisse tes yeux, Mino Cotier. Oh, grosse folle. Comment ça, tu as baissé les yeux? Allez, l'eau, je suis pour la pique de Marseille. Tu vas faire quoi, Parigo? T'es de l'eau, Parigo, tête de chien. Allez, Parisien, tête de chien. Parisien, tête de chien, qu'est-ce que tu vas faire? Avec ton club de Tarlouse. Allez, l'OM, la canavière. Allez, viens, on va t'inquiéter dans la canavière. Je te dis. Marseille, Marseille, on t'a. Mange mon vieil. Allez, mange mon vieil. Allez, Parisien, Parisien que tu es. Espèce de trou du cul. Allez, dégage tes mots, je te dis. Je vais te niquer ta mère. Voilà, parle bien. Eh, tu baisses d'un toit avec ton véhicule, je te l'ai dit. C'est Francis de merde. Quoi? Eh, tu vas respecter la France. Non, je nique la France, et je nique la comment France. Comment ça, tu fermes ta gueule, tu profites du système français, le avec système éducation, tu profites de la sécurité sociale, tu respectes un pays, hein. Il y a plus d'arabes en France que de Français, arrête de parler, mon pote. Allez. C'est quoi en ce moment, il y a un mouvement anti-France? Putain, bouge à part, il y a très peu de Français, hein. Je préfère te dire. Je suis français de souche, je te l'ai dit, hein, je suis de Marseille. Ouais, en effet, il y a des arabes, effectivement, mais on vit bien avec. Tiens, ouais. Tu tiens ta souris à même le bois ou quoi, espèce de pauvre que tu es? Eh, tiens ta gorge, tiens ta voix, on entend tous les bruits. Moi je suis à côté tous les bruits de ta gorge. Je suis à côté de Marseille. Qu'est-ce qu'il va me faire le Jean Gustave? Allez, ferme ton gueule. Je suis à côté de Marseille, moi. Tu es de Marseille, toi? Je suis de Marseille. Ah, moi je suis à côté de Mirabeau, je te l'ai dit. Je suis à une heure de toi, là. Ça a failli partir sur un carton défendu. Oh, le Swiss, oh là, c'est un ultra. Oh mon dieu. Reste ici, reste sur la cible qu'on a recrutée. J'arrive là, juste assis la voiture en attendant de moi. Allez, je monte dans ton véhicule à la con de ta race. Allez, amène-moi, petit. Allez, bonne toutou, hein, je te l'ai dit. Hein. Tiens, mon toutou. Oh, je suis des peines à Mirabeau, je te l'ai dit. Le véhicule, il est fermé. Donne-moi les clés du véhicule. Tu restes dedans. Hey, tu tiens la souris à même le bois ou quoi? On attend tout chez toi, qu'on a recrutée. C'est comment ça? Ah, bouge ta race, j'y ferme la porte là. Voilà. Laisse le CMR là. Oh, je suis des peines à Mirabeau, elle est double peine. Je m'en bats les couilles, tu restes dedans. Viens, viens, viens. On l'emmène, on l'emmène. Oh, c'est quoi ça? Non, je l'emmène nulle part, moi, il est resté. Il est enfermé, là. Ah, il est sorti. Alors, la con de Taras qui t'y est. Alors, tais-moi ta grande gueule, maintenant tu baisses tes yeux. Je vais te niquer. Allez, suis mon vieil, viens derrière là-bas, allez, suis-moi, suis-moi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu vas rentrer. Qu'est-ce qui se passe au milieu? Ouvre la porte. Hey, grosse folle que tu es. Embarculé, embarculé. Avec ta voix de pige là. Oh. Embarculé. Tu crées des dégâts là, pas des dégâts sur le truc? Non, tu me touchais pas. Me touchais pas, je te l'ai dit. Hein. Et Mandao, je l'ai pas touché où? Je t'ai pas touché où? C'est pige quoi. Là, rouille, ferme. On nous suit, on nous suit. Ah non, mais c'est pour. J'ai appelé les ultramarciers, je vous l'ai dit. Laissez-moi tranquille. Attends, j'enlève son téléphone. Vous allez le regretter. Attends, j'ai appelé la police, hein, je te l'ai dit. Hop, j'enlève sa radio, j'enlève. Oh non, pourquoi il a pris mon téléphone? Oh putain, toi, je vais te mettre une tarte, je te l'ai dit. Hein. Oh, je vais te soulever avec mon vieil. Alors, monsieur, concret, alors, vous avez vous allez le regretter, je vous dis qu'il y a les ultras de Marseille qui vont pas t'arriver, je vous le dis. Allez, pose-le. Non, 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 arrête, arrête, arrête. Laisse-moi. Redescends, je te fais descendre. Tu es fada ou quoi, grosse folle? Laisse-moi. Redis arrête de me parler mon corps, je te le dis. Oh, il se passe quelque chose ici. Redis oui, oui, oui. Oh, il se passe vous quoi attendez, vous attendez, monsieur le dieu, vous étiez là. Oui, il se passe quoi là? Laisse-lui ici, laisse-lui. Il y a un monsieur qui a fait une action à Chirpi. Il m'a pris mon corps et je suis. Il est en c'est toi qui a fait le ticket? C'est pas moi. Oui, c'est moi qui. Arrête, descends du véhicule, toi, je te laisse deux secondes. Non, mais c'est pas moi. Allez! Lâche-le, toi déjà. Allez, bon toutou, lâche-moi, voilà. Merci, monsieur le modérateur. T'avais comment? Il se passe quoi là? Alors, je vous explique que la scène. Je suis au parking central. J'étais gentiment en train de faire le deal avec les gangsters et il m'a pris comme ça. Il a fait une refus de scène. Refus de scène. Mais tu es au courant que t'as pas le droit de porter quelqu'un, il le force à monter dans un véhicule. C'est pas moi, c'est qui pas c'est moi. Qui t'a ah, porté ok. C'est moi. C'est lui, mais excusez-moi de vous déranger, monsieur, avec les tresses. Mais vous avez vu, lui?
Là. Écoute, Il insulte tout le monde, il cherche la merde. Voilà, moi je. J'ai n'insulté personne, vous avez fait un refus d'appui, c'est interdit. Hein. T'as fait un refus de scène, certes, il t'insulte. Il y a différentes manières pour gérer la scène. Cite-les-moi. En bruit, le lot de la scène là, insulte-le devant moi et on va voir ce que tu vas faire. Alors, grosso modo, que tu fais, j'ai rien fait. Et j'ai pas le droit de m'enfermer dans un véhicule. Non, il t'insulte. Tu réagis comme il faut. Tu me montres trois types de RP répondants. Vas-y, je te regarde. RP répondants ? Oui. Alors, écoute-moi bien, grosso modo, le minot que tu es. Tu es un petit vieil, hein. Je vais te le croquer et tu vas baisser tes yeux, ok ? Écoute, si tu continues, je vais te ramener quelque part et je vais t'enculer. Ok, ça c'est un RP répondant de type agressif 1+. Maintenant, fais-moi le B+, pour voir. Un deuxième. Autre répondant que celui-là. Ouais. Attends, qu'est-ce que tu peux lui dire? Réinsulte-le. Tu es un dégain ou quoi, la putain, la con de fiole que tu es? Bon, ah, monsieur, moi, je m'en monsieur, je arrêtez, on va repartir sur des bonnes bases voilà. Et bonne journée. Ok, bonne voilà, très bien, très bien. Troisième type de profil de RP que tu peux faire. On est en train d'éduquer les jeunes à faire du RP, les gars. Troisième... Ah bah enfin. Il y a un troisième type que tu puisses faire, troisième que tu n'as pas fait. Oh, grosse folle cuissier, maintenant tu te dis, hein. Allez, loin, mais ferme ta gueule, je te le dis. Bonne journée, monsieur. Non, je reviens, non. Ça, c'est du refus de scène, Ah oui, mais j'ai pas fait un refus de scène. Tu as un téléphone regard, sur toi, tu peux appeler le SPD. Il m'a fait un refus de scène, il a pris mon téléphone alors que j'allais m'apprêter à le prendre. C'est le du coup, les gars, attendez. Celui qui a les cheveux, là. Celui-là, que je regarde, monsieur l'admin. Le mec en rouge, je te mets un kick de 24 heures pour avoir porté quelqu'un et forcé à monter dans le véhicule. J'ai rien fait, je vous jure. Il a porté. Je vous jure, je connais même pas les touches. Il m'a enfermé dans sa voiture, tu vas pas dire ça, tu vas pas dire non. Tu m'as enfermé dans le véhicule. Calme-toi s'il te plaît, le chauve. Attends, s'il te plaît, l'admin, tu peux te parler sur la seule, s'il te plaît. Juste sur la seule, s'il te plaît. Alors que c'est pas moi qui l'a porté. C'est qui l'a porté? C'est lui là-bas derrière, en noir. Moi je l'ai pas porté, l'autre il a voulu. Moi je savais pas que c'était un refus de scène, ça. Attends, c'est ton collègue l'autre? L'autre, je viens de le connaître aujourd'hui. Comment il arrive en mode? Excusez-moi. C'est incroyable. C'est vous qui avez porté la personne? Bon, on va refaire. Monsieur Lamine, je propose qu'on refasse la scène depuis le début. On va au parking central, on va faire une reconstitution. Vous avez quoi dans vos sacs? Attendez, vous avez quoi dans vos sacs? Ce serait énorme, reconstitution de scène. Et toi, t'as quoi? Bon, écartez-vous parce que déjà, toi, écarte-toi, Jean Monnet, s'il te plaît, rien, 2 secondes à ma gauche. Je dors pas là. Ouais, bah. Je vous entends pas. Ouais, bah, dors un peu. Du coup, lui, là, tu vois, je lui ai mis le super punch. Tu sais ce que ça fait le super punch? Est-ce que tu sais ce que ça fait le super punch? Oh, le mec en rouge. Ouais. Tu sais ce que ça fait le super punch là, non. Ce que je viens de lui faire? Non. Là, quand il va se relever, il va devoir recréer un perso. Est-ce que je te fais la même? Non, s'il te plaît, voilà, non. Non, s'il te alors, plaît. Alors, monsieur l'ami, il a tenu des propos qui ne peuvent pas avoir lieu dans ce serveur. Il a dit que les Français, il a dit que c'était un arabe et que la France appartient aux arabes. Attends, allez, j'ai pas dit. Oula, débat, déjà, débat. Montez dans la voiture, montez dans la voiture. J'ai jamais dit ça déjà. Ouvre la voiture. J'ai jamais dit ça. Si, tu lui as dit, non, allez, assume maintenant. J'ai dit déjà, il y a plus d'Arabes en France que de Français. Déjà. Est-ce que tu trouves que ça a sa place sur un serveur roleplay, ces propos-là? Ouais, mais non. Ok, donc pourquoi tu l'as fait? Mais non, mais parce qu'il est là et il parlait d'Arabe et tout, donc je lui ai dit. Je suis français, fier de l'être. Je t'ai dit que je vivais en parfaite harmonie avec les Arabes à Marseille, et toi tu as commencé à dire les Français n'ont pas leur place. La France aux j'ai Arabes. J'ai pas dit la tu France as dit aux Arabes. Ça, le français. De toute façon, j'ai le GoPro, je te dis. J'ai le GoPro. Bah vas-y, fais montrer, écoute. Y'a pas de problème, je vais aller sur le Discord. Ça te dérange, je modifie un peu ta voiture parce que sinon on n'y sera jamais. Bah ouais, si vous voulez. Mais après, comme vu que vous allez me ban 24 heures, je sais pas. Mais de toute façon, c'est pas un ban de 24 heures. Sur des propos pareils, monsieur Lamine, en général, quelles sont les sanctions? Mais c'est bon, allez, c'est bon, on oublie tout là. Attendez, consulte le règlement. Ouais, mais non, mais viens, on oublie tout, les incos, arrête de balancer. Là, on s'en fout, là. Ouais, mais attends, je balance quand même, j'ai le droit, j'ai le GoPro. Ouais, balance, mais gros, bon, moi, c'est toi, je vais laisser derrière moi. Ok, d'accord, très bien. On va faire ça avec la manière éducative, vu que tu es plus jeune. Alors, je te demande de t'excuser. Ouais, je m'excuse. Pourquoi? Je m'excuse pour des propos que j'ai tenus. Que j'ai dit que la France, il y avait plus de Français dans... Il y avait plus d'Arabes que de Français dans le pays. Maintenant, je vais simplement devant le modérateur et qu'il répète cette phrase. Allez, tu répètes et ça ira pour moi. La France, ah ouais, français. Oui, tu le dis, allez.
La France en français. Deux fois. La France en français. C'est bon, monsieur l'admin, ça me va. C'est bon ? Eh ouais, je suis obligé de m'excuser, là. Par contre, descendez du véhicule. Je vais me prendre un ban perm encore. Non, je vais pas te ban perm. Le chauve, écoute, il t'a porté, oui. Il t'a mis dans le véhicule, on est d'accord. C'est pas moi, c'est pas oui, moi. C'est lui, c'est son compère, de toute façon, c'est les deux, c'est pareil. C'est lui qui a donné l'instruction. Bon, je suis désolé, t'iras te racheter une voiture. Attends, je vais le relever, lui. Je vais me racheter une voiture ? Oui, tu vas te racheter une voiture. Mais en fait, j'ai pas d'argent du tout, je viens d'arriver, c'est pour ça. Attends, je le relève, il y a des dommages collatéraux. Et du coup, je fais comment pour la voiture ? Et j'ai pas de sous du tout, moi, pour acheter la voiture. Il m'a déboîté la gueule. Ou tu vas la donner, tu vas la donner au mec. C'est quoi, on va aller faire les papiers, tu vas lui donner ta voiture. Ah ouais ? On va faire ça. Mais sinon, je vais peut-être l'acheter. Je m'en fous, s'il est d'accord, je vais le relever, attends. Ouais, c'est pas grave. Attends, il faut que j'appelle comment on fait. On est d'accord, on fait ça ? Ouais, c'est comme... Je lui donne les papiers. Mais comme vous voulez, ouais. On va faire ça, alors. Je vais le relever. Ça, ça a été plus supérieur. J'ai appelé un EMS, appelle un EMS là. Et j'ai pas de téléphone. T'as une voiture et t'as pas de téléphone. J'ai rien du tout. Je viens d'arriver en ville et la voiture, je viens de l'acheter. Je l'ai acheté pour 9000 la voiture et encore on m'a douillé dessus. J'avais que 10000 sur moi, c'est pour ça. Ah, il est pas bien. Bah voilà, bah c'est ça. Bah oui, voilà. Bah si on pouvait régler les soucis d'RP comme ça, les gars, franchement, on aurait un meilleur RP que ce qu'on a actuellement. Bon alors, écoute, j'en ai parlé avec un collègue. Attends deux secondes. Je reviens. Je vais sur Discord en parler avec un collègue par rapport à ton cas. Rappelle-moi ton pseudo. C'est Hakim Abdouben. Hakim Abdouben. Ouais. Mais Ok, un instant. Occupe-toi de lui, tu lui fais une scène RP EMS, tu lui fais la PLS, tu fais une scène propre. Comment je fais pour la... Je m'en fous, tu improvises, putain, t'es sur le serveur. Non mais pour réanimer. Mais tu fais des scènes, tu improvises, putain. D'accord, monsieur. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah. Je sais pas s'il m'entend, je pense pas. Je sais pas, tu m'entends ou pas sur le... Vous allez bien, monsieur ? Monsieur, il faudrait aider ce monsieur, madame, s'il vous plaît. Il est tombé KO. C'est quoi cette... Je dirais qu'il est plus dans le coma, mais... C'est quoi ça ? C'est quoi cette meuf ? Si vous pouvez l'aider, mais c'est pas une meuf ! Mais regardez là ! Oh, c'est papy. Quoi ça ? Mais c'est quoi ? Oh. Ça va, papy? Ah, j'ai un petit peu mal à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, oh, voilà. Pourquoi elle me caresse les fesses, là, la demoiselle? Oh, hé, hey, grosse folle le cuchier. Qu'est-ce qui se passe, là? Vous êtes médecin, madame? Mademoiselle. Oui. Mademoiselle, je vous parle. Oui. Donnez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Présentez-vous. Vous m'avez touché mon corps, vous devez vous présenter. Je vous le dis. Eh oui, madame, c'est... Mademoiselle. C'est C'est la loi, vous devez vous présenter. Non, elle est gentille, laissez-la. Bon, allez, on va faire les... du coup, pendant que tu étais en train de dormir, je lui ai proposé soit je lui mets un kick de 48 heures, alors, soit... C'est pas choisi, d'accord, très bien. Soit il te fait les papiers, le véhicule qu'il a, il est à toi. Soit il est obligé de... Écoute, t'as dit la France aux Arabes ou je sais pas quoi, là. Mais j'ai pas dit la France. Soit tu deviens son serviteur, là, histoire de une ou deux heures. Et oui, tu très fais bien, bah, c'est très bien, on va pouvoir faire une scène de sucing. Allez, viens. Son taxi. Tu es son esclave. Écoute, tu manques de respect. Monsieur le modérateur, si on fait une scène de sucing, c'est-à-dire, il a juste à me décaloter. C'est tout. Pas le suce, il m'aide juste à faire pipi, c'est bon ? S'il me fait, il m'aide à faire pipi, c'est bon ? Ouais, mais évitez de le faire devant les autres joueurs, quoi. D'accord, on a une image. Il va simplement me la tenir pour faire pipi, c'est bon, ça me va. Vous voulez pas son véhicule, du coup, c'est bon ? Non, c'est bon, il va juste m'aider à faire pipi. Je vais réparer ton véhicule, je reviens. Vous avez le... Monsieur Lamine, vous avez le bruitage ? Le bruitage... actuellement, il est... Non, il est pas opérationnel. Ah, très bien. Je vais réparer le véhicule, je reviens. D'accord, oui, très bien. Bon, on va pisser dans un coin, à l'abri des autres joueurs. Comme ça, tu pourras continuer à faire tes scènes. Je te le dis. Bon, tu vois, quand tu veux, tu peux faire du bon RP. Pas qu'on te fasse des conneries. Ouais, pas mais... du RP basique, je te le dis. Et ouais. Allez, montez, je vous ramène. Qui sont tes modèles dans les streams RP ? C'est pour ça, je veux savoir. Pourquoi tu fais du RP comme ça aussi schlagué ?
Dis-le-moi. Bah, en fait, parce que en fait, quand je faisais du RP normal, et ben on me banne Oui. pour rien. Ah, d'accord. Il faut pas faire les conneries hein, que tu vois sur la télé. Non, mais c'est pas question de la télé. Ah, d'accord. J'étais dans des serveurs, mais j'étais dans plusieurs serveurs et on m'a banne parce que je faisais du RP ordinaire. Et à chaque fois que je faisais du RP ordinaire. Oui, voilà. Et voilà. Il faut pas que tu fasses du RP ordinaire. Il faut avoir un certain caractère et tenir le regard, tu vois, et pas être à court de réplique. Il faut pas faire du RP basique, c'est-à-dire prendre un kidnappé, couper un doigt, couper une oreille, c'est nul ça. Il faut être un Mais peu plus ouais. imaginaire, avoir un peu plus d'imagination. C'est bon? Ouais, ça va, monsieur. Par contre, D'accord, comment on très fait pour bien. ranger le sgeg? Alors attendez, Montez. Je vais Ah, me vous mettre voulez dans. faire la scène. Oui, vous êtes là, monsieur Lamine. Attendez, on va se mettre dans un coin, vous surveiller et après je vais les laisser. Ouais, dépêchez. Il m'accompagne, il va simplement décaloter. Mais j'ai un Attendez. sgeg ici, là. Je fais comment pour l'enlever? Non. Ah, comment vous avez fait là, le zizi? Je sais pas. Moi-même, je sais pas. Attendez, monsieur l'admin? Oui, c'est moi qui vous ai mis le zizi Oui, là. c'est. Vous devez me le mettre à moi et comme ça il décalote et moi j'ai fait pipi dans les cartons. Ah, vous voulez le zizi? Oui, c'est moi qui veux le zizi, c'est pour qu'il m'aide à pisser et qu'il me la tienne. Ok, écarte-toi, toi, que je lui mette le zizi. Je veux zizi, quelle couleur? Un zizi qui rendrait hommage à la puissance de Bamako. Je Un te jure. violet. Ou violet. Un zizi violet, c'est très bien. Par contre, Ok. moi, vous pourrez me l'enlever, s'il vous plaît. Non, non, toi, c'est ta punition, tu vas rester 24 heures avec le zizi comme ça. Oh, s'il vous plaît. Non, non, non. Non, tu J'étais. restes là. Hey, oh, c'est bon, c'est un mauvais Jeez. moment passé, c'est bon, ça ira. Il te va très bien, ce zizi. En plus, il est bien profilé, il va bien avec ta tête. C'est très bien. Comme quoi, tu vois, même dans le jeu, t'as une tête de sgeg. Mais il est sérieux là! Ah, bah j'ai plus la peau. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a. Wesh! Wesh! Je maîtrise pas là. Faut tout manger là, monsieur. Bon, c'est pas Non, grave. c'est ta Bon, punition. c'est Il est pas dur grave, là? je vais l'aider à pisser, c'est bon, c'est moi qui m'en charge. Mais Bon, si un allez. autre admin, il va me prendre pour un moteur. Écoute, les admins sont au courant de ton cas. Et si tu veux pas d'autres déguisements, tu t'as intérêt à te calmer. Bon, D'accord. faites la scène, je regarde pas. Mais vous pouvez m'enlever un sgeg au moins déjà? Oui, on enlèvera après. Bon, je vais faire pipi et après je t'aiderai à faire pipi. Je vais te le tenir, ok? Ça va. Très bien. Vas-y, décalote. Enlève le froc. Vas-y, fais le bruitage. Voilà. Wesh! Qu'est-ce que vous êtes. Pourquoi vous avez pris la prostituée du coin? Qu'est-ce que vous faites là? Je sais Monsieur, pas, on m'a donné vous avez ça. le zizi coller à la Ouais. petite. Vous êtes en train de coller à la petite, hein, je vous l'ai dit. Ah ouais? Allez, monsieur, j'ai de descendre votre Voilà, pantalon. c'est bien. Allez, faites-le, faites bien. Et après, je vais faire pipi. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, c'est de la peau. Hein. N'hésitez pas à enlever jusque le gland sort. Et ensuite, je vais m'apprêter à faire pipi. Attention, écartez-vous. Tenez-la moi, tenez-la moi. Restez là, restez là. Tiens, tiens le zizi, tiens. Tiens le zizi, voilà. Jusqu'à la dernière goutte. Voilà, il l'a tient bien, hein. Il l'a tient bien, c'est bon, vous êtes témoin de la scène, il tient C'est bien. bon, c'est validé. C'est bon, je. Tu resteras par contre comme ça C'est bon, je vais 24 remonter mon heures froc. avec Mais on peut l'admin. m'enlever un sgeg Non, au non, moins. non, tu. Non, non. Si. Non, écoute, t'expliqueras aux gens, Tiens, d'ailleurs, faites une scène là. Toi, tu fais le passant qui lui demande pourquoi il a ça. Et toi, tu vas t'expliquer, on va voir D'accord, si t'improvises bien. voilà, on va essayer de l'improviser. Allez, on dit. Ça va. Je me balade. Ah, bonjour, monsieur. Oh putain, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes en érection? Qu'est-ce qui se passe, monsieur là? Ben, Oui, là, monsieur, c'est pas une tenue. j'étais un peu puni par les dieux parce que j'ai Non, fait des non, 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 trucs non. comme On ça. cite Non, pas nul les dieux en lâché. RP, Les c'est quoi gardes ça? lâchés, les On mecs. cite pas Les les dieux. dames, improvise! Improvise! Putain, bon. Tu dois pas dire la sentence, c'est-à-dire que tu dois Ah, improviser une ouais. histoire avec ça. Ouais, ben, en Donc, fait, je sais pas. monsieur, L'imagination, allez, laisse parler ton imagination. il m'est arrivé des dingueries. Oui? En fait, j'ai été élevé comme ça. J'ai eu deux sgegs. D'accord, très bien. Deux sgegs, c'est-à-dire. Mais pourquoi vous les mettez en évidence comme ça? Vous n'avez pas l'impression de faire un attentat lapideur? Il n'y a pas de pantalon pour les enlever. Wow. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, D'accord, tu vous expliques êtes. pourquoi t'as un chiotte collé à ton cul. Allez, improvise. Ben parce qu'il y a de la glu en fait collée à mon cul, c'est pour ça que j'ai un. Ah, tu t'es assis sur D'accord, les toilettes? c'est une évolution, c'est ça, comme les Pokémon. C'est-à-dire, Ouais, après, voilà. vous évoluez en quoi? C'est-à-dire en urinoir, c'est ça? Je sais pas, peut-être en Robocop. Hein. D'accord, c'est que de la céramique, normalement, c'est fragile. Regardez la dégaine de fragile qu'il a. Hé, hey, je te l'ai dit, hein. Eh ben. Eh ouais, c'est comme ça, mon vieux. J'espère que tu arrives à bien viser le trou quand tu fais pipi, hein, maintenant que tu as une shot sur toi. Tu Je vises bien pense, le trou? hein.
Inch'Allah, hein. Je pense que je vais... Là, j'ai pas trop envie de faire pipi. Et mais... comment vous faites avec le double zizi? C'est-à-dire... Ah, d'accord, pas. C'est génial, en fait. Donc allez. Maintenant, tu improvises, pourquoi tu es en Robocop? Bah, monsieur, je vous dis la vérité, je suis parti. Déjà, si un robot, ça passe cette voix, tu dois la modifier. Allez, avec ta voix, avec ta gorge. Mais, monsieur... Oui, monsieur le robot? Qu'est-ce que vous faites là, vous dites? J'ai été envoyé de l'espace. Vous êtes un robot, c'est-à-dire clochard, hein? Vous vivez ici, c'est ça? Exactement. Quelle est votre mission sur cette planète? Vous venez en paix? Oui. Un peu plus de robotitude dans la voiture. Faites un effort là, s'il vous plaît, sur la voie. Plus de robotité. Je suis là pour... pour aider les gens. Dans non, plus maison. Lent, plus lent, regarde. Je suis un robot, je viens d'arriver sur votre planète. Essaye d'un... Mais... Je vais pas t'apprendre le RP. J'arrive pas à la faire la voix, c'est pour ça. Voilà, oui. Regarde, prends exemple. Tu essaies de choper le rythme. Je suis un robot, je suis le fragile de service. Je suis un robot. Je suis esclave des êtres humains et surtout des grandes chauves. Je suis esclave des êtres humains. C'est très bien, ça me va. C'est bon? C'est bon. Bon, du coup, t'as de la chance, tu gardes ta voiture. On va t'enlever le robot, mais tu vas garder le pénis rose. Et les toilettes? Non, on va t'enlever les toilettes, on va t'enlever la knacky ball sandwich truc. Tu vas juste garder le god rose pendant 24 heures. Ça va. C'est bon? Oui. Maintenant, tu t'excuses. Excusez-moi, monsieur. C'est pas à moi, c'est pas à moi que t'as fait du mal. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Attends, ne me montre pas du doigt, je te le dis. Bon, j'accepte ces excuses, monsieur l'administrateur, c'est bon. Très bien. Je vous redépose là où vous étiez et je reprends mon service, moi. D'accord, très bien. Merci. Attends, je vois, j'arrive pas à monter. Bon, j'ai un peu modifié ta voiture, elle ira un peu plus vite, d'accord? Regarde le robot oui. Quand il monte, c'est énorme. Ouais, il prend toutes les... Tout l'espace, incroyable. C'est comme moi dans une Twingo, quoi. Vous étiez où tout à l'heure? On a terminé, je sais plus. Bon, c'est pas grave, j'irai faire continuer ma scène au parking central. Okay. C'est très bien. De toute façon, je pense qu'il a compris. Hein. Je pense qu'à mon avis, ça va être un nouveau jouet. Hein. du RP éducatif. Vous voulez regarder l'Espidi s'il y a des gens? Oui, très bien. Mais comme ça, il va se faire recenser auprès de la police avec ça. On lui explique, parce que le problème, c'est que comme il va rester comme ça pendant une heure avec le robot... Il n'y a personne, je crois. Il n'y a personne dans le parking. Après, il mérite. Hein. Non, franchement, il mérite pour tous ceux qu'on a eus, tous les piges qui faisaient de la merde. Rien que pour ça, il mérite. Ça va, les gars. Lucas. Ok, alors lui... Allez, bon RP à vous et faites attention. Ouais. Et que je te revois pas la prochaine fois, c'est un ban. D'accord, monsieur. What the fuck? Adieu, le robot. Oh! 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 Bon, monsieur, vous avez eu où votre costume là? Oui. Oh! Ouais! Ah, plus robot. Ah, bah il est. Robot, il est mort. Ah non! Le robot, il est mort. Il est mort. Non, le robot. Pourquoi il y a des toilettes? Ah, vous êtes des fous, vous avez des toilettes pour moi. Bon, allez, on se casse. Oh. Ça va? Putain, ils mettent des toilettes dans. Incroyable, le mec, c'est plein. Des toilettes dégueulasses. Ah, on a eu du encore du papier. Ouais, c'est du caca, les robots, je te le dis. Ah, d'accord. C'est radioactif, attention. Oh. Il s'est fait dessus. Bon, bah, nous allons faire un jump. Je suis un peu dans les vapes là. Ah bah. Wow. Bah là c'est fini là. Bon bah là. C'est quoi ça? Ah je suis pas responsable. Ah c'est un jeu, d'accord. Hop. Hop. Ah, ça va, je joue bien. Ah super bon ça. Ouais. Wow! Se casse. Qu'est-ce qui se passe?